Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai plein de belles choses pour les choisir ce matin. Vous êtes... Beaucoup d'entre vous, ça fait une semaine que vous êtes sur ma page. Beaucoup d'entre vous, ça, vous venez d'arriver. Et vous serez surpris de savoir que il y en a parmi vous, malgré le fait que vous venez d'arriver, vous vous sentez comme si vous êtes au même point que les personnes qui sont sur ma page depuis 6 mois. Parce que même si vous n'étiez pas connecté à moi physiquement, vous étiez en train de faire votre travail. Et vous étiez en train de développer la rage. Tu vois, quand tu ne connais pas encore physiquement quelque chose, mais à l'intérieur de toi, ton esprit te dit que tu seras riche. Ton esprit te dit que sors de la relation là. Et c'est lui qui te donnait 100% de ton argent. Mais tu sors. Ton esprit te dit, va demander le visa pour partir au Canada. Et tu sais que tu n'as même pas 500 000. Mais l'esprit te... Tu es tellement convaincu. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà appris à marcher par la foi. Dimanche, ceux qui étaient là, pendant le service qu'on a fait, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Donc la résurrection de Christ, ce n'est pas... Je crois que ceux qui étaient là ont vu, j'ai été assez strict là-dessus. La résurrection de Christ, c'est pour qu'on comprenne qui on est de nouveau, qui on est devenu. Donc j'avais fait un tableau où j'ai distinctement mis, ce sont eux qui ont écrit, hein, mon ancien moi, mon nouveau moi. Ce naître de nouveau, ça ne veut pas seulement dire, oh Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Après, tu ne changes pas tes pensées, tu ne changes rien. Tu penses de la même façon, tu manges de la même façon. Tu as toujours peur, tu traînes toujours avec les mêmes personnes. Bonsoir, le roi Fuyo. Bonjour, pardon. Bonjour, bonjour. L'esprit te met à cœur depuis que pas fait telle chose. Voilà ça, nos Sophia. On te dit, va demander le visa. Tu es là, tu dis, wow, que je maîtrise. Je veux d'abord voir l'argent de tout. Je ne fais que vous annoncer, mais nous sommes dans une dimension d'accélération. Certains d'entre vous, en 3 mois, vous allez devenir super riche. Donc, quelqu'un ne te voit pas pendant... Bah, quelqu'un te voit en avril. Il part peut-être deux mois en France, il fait quelque chose. Il revient. En juin, il te voit, il n'arrive pas à croire. Il dit, ah! Mais en avril, tu travaillais pour les Libanais là-bas, non? Tu avais 100 000 francs le mois, non? Tu fais quoi dans un appartement de 200 000 le mois? Tu fais quoi dans un appartement qu'on a aménagé à 5 millions? Et c'est toi-même, hein? Ce n'est même pas que tu allais voir un décepticon pour qu'il aménage pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as tapé dans... Hier, je vous ai parlé de l'étoile volée. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont dit, wow, tu manques d'autres. On dit que, en tout cas, c'est chacun qui, quand il donne mes messages, je ne donne pas pour vos avis. Moi, il dit seulement ce qu'on me dit de dire. Parce que si elle ne dit pas ce qu'ils vont me gronder bien, hein. Il ne veut même pas dormir. Même dans mon sommeil, il me dit que dis. Parce que, quand vous écoutez mes paroles, ça vous active. Bonjour, la reine Atari. Beaucoup d'entre vous, en juin, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez regarder votre vie comme ça, là, vous allez même pleurer. Parce que quand on vaut ton étoile, tu ne sais même pas.
Maintenant, le fait que tu te rendes compte qu'on a volé ton étoile, jusqu'à tu restes, tu dis, on a volé. La malédiction est déjà brisée. Et c'est que vous vous attendez toujours que je vous dise de prendre de prendre l'avocat, vous écraser, après vous mélanger avec avec les œufs, après vous mettez sur votre corps, vous battez, vous couchez sur le toit pendant 5 heures de temps. Vous aimez les trucs compliqués. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le noir depuis longtemps. Et le fait que tu te rendes compte, ça brise déjà la malédiction. Donc déjà, je reste, je dis bon, ouais, je n'ai pas le chapeau, ouais, Seigneur, je n'ai pas le chapeau. Tu vis comme ça là, tu as froid. Que ceux qui, pendant l'hiver, vous se connaissez. Tu marches, tu as froid, tu viens de raser tes cheveux, tu as froid, tu attrapes le rhume. Parce que quelqu'un a pris ton chapeau, il l'a gardé. Et il ne t'a même pas dit que tu possèdes le chapeau. Mais un jour dans le rêve, tu rêves que tu as le chapeau. Dans la journée, tu marches comme ça là, tu tombes sur quelqu'un qui te dit, ta personne te regarde. Les anciens m'ont envoyé te dire que tu as le chapeau. C'est dans ta pente, c'est au-dessus de ta penderie là-bas à gauche. Donc tu veux comme ça me dire que comme on t'a dit que tu as le chapeau, tu vas encore aller faire les incantations pour prendre ton chapeau. Le fait même d'accord que tu te rendes compte que hey, j'ai le chapeau. Tu vas rentrer, tu vas, première chose que tu vas faire, tu vas aller en haut de la moi, fouiller. Et si tu ne trouves pas là-bas, tu vas fouiller ta maison jusqu'à ce que tu trouves ton chapeau. Je parle beaucoup en parabole. Si vous avez compris, vous avez compris. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nos choses qu'on parle ici, là, ce n'est pas pour tout le monde. You know, for everybody. Il faut être pur de cœur. Il faut être pur de cœur d'abord. Si tu es déceptique, quand tu vas venir sur ma page, tu vas seulement augmenter mes vues. Chaque fois que tu vas me regarder, ça va t'énerver. Elle devient belle de plus en plus. Elle. Et je crois que vous savez déjà qui vous observe. Il vous observe. Mais ce n'est pas parce qu'il vous observe que vous allez. Parce que s'il pouvait vous tuer, il y a les membres de votre famille que quand ils sont partis chez le marabout, ils ont dit que tu es là. On a tué sa mère, tu es là. Malheureusement pour eux, quand ta mère est morte, elle est devenue ta force. Elle allait engager les gardes du corps dans le spirituel. 24 sur 24. Tu es gardé, protégé, guidé. La Bible dit que tes anges vont te porter pour que ton pied ne heurte pas une pierre. C'est ça qui est maintenant dans ta vie. Tu marches, tu veux tomber comme ça. Là. Un ange apparaît, piou, il devient l'oreiller. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Protection. Et c'est que pour vous, vous n'arrivez pas à croire que comment mon père peut me faire ça? J'ai consulté une dame hier, elle me dit que son père lui a envoyé une lettre pour la renier. Tous ses frères et soeurs sont contre elle. Il n'y a que sa mère qui la supporte. Elle est en Belgique. Donc son père a écrit à elle et à toute la famille que je renie l'enfance. C'est fini. Il y a les paroles que les gens là vous disent. Que s'ils pouvaient prendre le couteau te tuer physiquement, ce qu'ils le feraient. Mais ils ne peuvent pas. Des nos filles. Et ils vous détestent comme ça parce que quand ils sont partis, vous savez qu'il y a les parents qui volent les toits de leurs enfants. Vous savez non. Ok. Le parent part quand tu es encore petit. On dit que ton enfance sera célèbre. Ton enfance sera. En un mois, quatre personnes lui disent en route que maman, l'étoile de ton enfance est.
Et pour gâter même votre destinée, souvent quand vous êtes petit, on dit à vos parents là que protégez l'enfant-ci. Déménage de ce quartier si tu quittes, tu pars loin. Que l'enfant là ne doit pas grandir ici. Que si tu peux envoyer la même en France chez quelqu'un, qu'on ne la voie pas. Et le tout, c'est que les agents de lumière sont très très beaux. Donc dans votre famille comme ça, là, tu es la plus belle. Tu as une beauté qui est apprivoisante. Même si tu es noire de peau, hein, mais tu as une beauté apprivoisante. Quand les gens de ta famille arrivent quelque part, c'est tout toi qu'on voit. C'est toujours toi. Et ça les énerve. Joseph, non. Joseph rêve que toute sa famille a genoux devant lui. Il se lève, il dit à son père. Ça énerve son père. Donc tu peux comme ça dire que tu vas nous commander. Au lieu que le père soit là, hé hey, mon fils, Dieu t'a choisi. Ah, c'est bien. Tu crois que tu vas nous commander? Hein? Hum? Tu crois que quoi? Hé, hey, va là-bas, nettoie les assiettes là. Certains d'entre vous, bêtement, vous avez donné vos, vous avez partagé vos rêves quand vous étiez petit. Avec vos parents Anticone, avec les Anticone, Tanticone, Oncricone. Oui. Certains de vos parents, quand vous étiez petit, on vous a approché pour que vous fassiez la musique. Ou pour le modélisme. Et quand on est venu vers eux, on a parlé de vous. Maman, ils ont même failli insulter la personne là. Elle a quel talent? Pardon, qui t'a fait ça? Je refuse. Ouais, madame, monsieur, il faut que l'enfant s'y parte à la KSA parce qu'on voit qu'il a un talent de football. Eh, hey, pardon, va étudier, c'est quand il aura le bac. Quand elle aura le bac, et on sait que dès que tu as le bac, c'est fini. Dès que tu as le bac, c'est fini, non. Tu as le bac à 17 ans, tu vas encore faire quoi à 17 ans? Non, je l'ai fait pour te protéger. Je l'ai fait pour te... Moi, tu es 17 icônes. Tu es un parent icône. Malheureusement, vous êtes en train de devenir parent icône pour vos enfants. L'enfant te dit, je veux faire YouTube. On fait quoi avec YouTube? Wow, wow. L'enfant commence sa chaîne dans, à ton insu. En 3 mois, l'enfant a 8000 abonnés. Tu découvres, tu fermes tout. Tu supprimes, tu prends le téléphone de l'enfant. Wow, tu es parent icône. Tu es en train de gâter la destinée de ton enfant. C'est que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Alors que vous n'avez même pas les poils, vous n'êtes pas velu. On va vous caresser comment? Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez toujours su que vous serez star. Mon esprit m'a demandé de vous dire que à cause de votre environnement, passé. L'esprit a dû cacher certains de vos talents. Certains parmi vous, c'est quand tu dors que tu rêves. C'est quand, effectivement, Louise, dès que ta mère là, c'est bon, non? Chacun va maintenant venir vouloir diriger ta vie. Tu vas voir, quand tu dors, tu te vois en train de chanter devant les gens. Tu te vois, tu es devant les paparazzi, on t'acclame. Dieu a caché certains de vos dons. Et c'est maintenant qu'il va ouvrir. Donc tu vas te rendre soudainement compte que tu cherches, tu connais chanter. Ça te chante quand tu as envie de partir au studio pour enregistrer. Il faut partir, mamie. Tu vas faire 2 mois au studio, tu vas voir, ta voix va t'étonner. Avant, tu faisais les...
tu vas arriver au studio un mois plus tard. I believe I can fly. And I believe I can touch the sky. Tu te regardes, tu écoutes ta chanson, tu dis, mais. Hey, oui, oui. I think about it every night and day. Et vous allez commencer votre talent de créativité. Je sais que c'est quand vous étiez dans vos relations, tu t'es marié à 22 ans. Avant que ton mari est mort quand tu avais peut-être 35 ans. Il n'a jamais cru en toi. Tu avais même peur en fait de lui montrer même que tu peux chanter. Les personnes qui bloquaient vos dons sont en train d'être retirées autour de vous. Les personnes qui vous bloquaient sont en train de quitter. Certains vont vous quitter même seuls. Parti. Ne pleurez pas. Parce que vous restez, vous dites, hein, pourquoi j'attire toujours les mauvaises personnes? Pourquoi mes relations ne durent pas? Hein, l'esprit te protège. Comme par hasard, tu n'attires que les Decepticons. Et l'esprit te protège. Decepticon numéro 1, Decepticon numéro 2, Decepticon. En un an, tu es sorti, mais avec 6 personnes. Oui, oui. Chacun vient, il fait 2 mois, il part. Il dit ok. Après l'autre vient, il fait 2 mois, il part. Ok. L'esprit veut maintenant que. Maintenant là. Focalise-toi sur tes dons. Certains, vous avez enregistré les chansons, vous avez gardé. Quand tu vas publier la chanson là, toi-même, tu vas voir. Je vois Carmelo, j'ai déjà commencé à enregistrer mes chansons. Ne te dérange pas. Dieu a dit là avec moi sur l'autre là jusqu'à justement bâti au studio. Il était fatigué de me voir dans les rêves en train de chanter. Il dit ok. J'ai enregistré le single, mais je ne voulais pas sortir le single. Mon single est prêt depuis le 6 ou 7 janvier. Hein. Mais je vais compléter l'album. Je vais sortir l'album une fois. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez commencé de tout laisser. Maintenant, Dieu est en train de vous isoler pour permettre que les dons qui en vous s'ouvrent seuls. Et lui qui vont partir seuls. Soudainement, écoutez, et voilà même encore. Avant, tu pensais que. Donc, vous êtes ensemble bien. Hein. Un beau jour, vous faites un petit problème comme ça là. Il part. Ma chérie, dis-lui bye. 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 Tada, les anglais disent que tada, tada. Bonjour Amel Dominique. Tu dis tada. La nuit où la personne va partir, dans le rêve, tu vas recevoir ta deuxième chanson ou ta troisième chanson. Tu vas recevoir, donc on va te montrer que va dessiner. Tu avais commencé à apprendre à dessiner, ça fait 5 ans que tu as laissé. La nuit là, tu vas te voir en train de dessiner les Picasso comme ça là. Garde, lève-toi le matin et tu cherches le professeur de dessin. Cherche le professeur de dessin. Ce ne sont que les gens qui vont obéir, qui vont se retrouver dans cette abondance. Écoutez, si vous n'obéissez pas, hein. Bonjour le roi Jean-Pierre. Oh, je suis ton ange. Oh, que je suis flatté. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver dans cette saison où vous aurez une envie pressante d'acheter les canevas là, d'acheter les pinceaux pour peindre. Tu vas faire un coin de ta maison, tu vas te retrouver en train d'apprendre à peindre. C'est vraiment wonderful. Ok. Tu te lèves le matin, et donc dès que tu ouvres les yeux à 5h30 comme ça là, l'esprit te dit prends le pinceau. Tu prends, tu commences à faire. Après tu fais pif, tu mets ton nom dessus. Louisiane, tu chantes jusqu'à t'envoler. Oh Seigneur, vous abusez beaucoup. Écoutez, vous devez réserver les séances au studio. Pas tu payes en avance. Va tu payes. Paye 5 chansons, paye 10 chansons. Sors tes 1 500 €, tu donnes au studio. Tu t'assois,
Tu prends même 6 mois, chaque mois tu fais une chanson. Bonjour le roi Shenju. Tu vas voir comment les choses vont commencer à s'aligner. Va vraiment commencer à s'aligner. Beaucoup d'entre vous, Dieu a dû cacher vos talents. Parce qu'il sait que s'il t'exposait, s'il te montrait que tu connais chanter quand tu étais encore avec ton ex-ticone, l'ex-ticone allait critiquer ton talent. Ça allait te frustrer. Parce que vous savez qu'il y a les gens, par exemple, il y a parfois les ex-ticones, non. Moi, j'ai toujours, par exemple, moi, ok. J'étais dans une relation avec un de mes ex-ticones là. Je lui disais toujours que je ne sais pas comment, mais je sais que je serai célèbre. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas... Parce que demain, les gens vont fouiller mon passé pour m'attaquer avec. Et il me dit... Et mon ex-ticone là, aimait Snapchat jusqu'à... Genre... Il était sa propre, il avait son propre petit environnement sur Snap là. Tu vois, quand tu as tes 150 followers, dès que tu prends un peu d'argent comme ça, tu fais le Snap, tu montres. Tu achètes une petite ceinture Louis Vuitton, tu fais le Snap, tu montres. Et à ce moment-là, je savais que ma lumière gênait cette personne. Parce que chez moi, c'était naturel. Genre, on va arriver dans une pièce comme ça. Hein. Et c'est vrai que la période là, j'avais fait peut-être un an comme ça, là, je ne postais plus régulièrement les vidéos. Eiffel Noir, quand tu dis forcément, forcément ça veut dire quoi? Quand tu prends ta main pour payer la dîme, là, je te force. Mina dit forcé, yo. Je ne te force pas. Quand tu dis forcément, là, non. Mais personne ne paye leur dîme chez moi. Tu as compris? Je vous ai montré comment on paye sa dîme. On ne prend pas, on jette seulement comme ça, on transforme, elle m'énerve. Pourquoi est-ce qu'elle me. Pourquoi est-ce qu'elle force, je paye ma dîme même chez elle? Non. Tu t'assois, tu pries dessus, tu lis Malachie chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Tu commandes aux écluses des cieux de s'ouvrir sur toi. Tu commandes aux idées de venir à toi. Tu commandes à ton business, à tes business de fonctionner. Tu mets la bénédiction sur toi, la protection sur toi et ta famille. On a dit, c'est un pacte que tu renouvelles chaque fois que tu reçois de l'argent avec Dieu. La dîme, c'est très spirituel. Quand vous passez dans les églises, on vous force. Il est temps de payer votre dîme. Le Seigneur a dit, donne. Ouais, tu l'as donné de bon cœur. Ok, on continue. Quand j'étais avec cette personne-là, quand j'arrivais quelque part, après une fois on est parti, on a fait un peu le tour de l'Europe, de l'Est. On allait en Pologne, en Lituanie, Danemark, pour ne citer que cela. Dans chaque pays où on passait, c'est comme si, je crois que là en Pologne, il faut passer par l'Allemagne, oui. C'est comme si... les gens là me connaissaient. Et la fois où je suis allé à Istanbul, je me rappelle, il y a eu un soir, je suis sorti dans la rue parce que quand je suis arrivé là-bas, la personne qui me logeait, j'avais tout. Quand c'est l'heure de manger, la voiture vient me chercher, je ne vais pas manger. Quand c'est l'heure de faire ceci, je sors, je ne vais pas faire tout. Mais le jour là particulièrement, j'ai décidé de marcher dans la rue, aller me balader. Maman, comment les Turcs m'ont arrêté en route pour se filmer avec moi? Jesus! Et picture, photo, photo. Je me suis dit, mais j'en sais quoi que je suis Rihanna. Cafui, c'est bien. Tu dis que le kit de déblocage a marché. Ça fait un mois que tu utilises. Et tu as ton résultat. This is beautiful. This is full beauty. C'est ça qu'il y a des gens qui me regardent, vous n'avez jamais acheté. N'achetez pas, vous avez compris. De toutes les façons, je fais mon chiffre d'affaires. C'est pour vous. Parfois, quand j'ai un client qui vient, il m'énerve.
quand je veux chasser le clienticone, Dieu me dit que tu le chasses, il va partir où? Il dit que mais Dieu, regarde, il dit, he's nasty. Why is he talking to me like that? Est-ce qu'il a besoin de m'insulter pour acheter mes produits? Il dit que tu, comme tu le chasses comme ça, là, il va tourner encore même un an avant de trouver quelqu'un. Je connais que mes produits marchent. I know my thing, they work out. Donc, merci pour ton témoignage, Gafoui. Mes choses marchent. Yes, tu es prêt pour le kit célébritaire. C'est ça. Tous les kits que je fais, c'est l'esprit qui m'inspire que mets ça, mets ça, mets ça. Donc, quand tu touches comme ça là, j'ai conçu le kit célébrité. Les trois premiers mois, je n'ai pas beaucoup vendu parce que les gens ne comprenaient pas. Et il fallait que certains font d'abord le kit fondation. Donc, tu dois avoir fait le kit fondation, kit déblocage. Avant de venir, le kit célébrité, c'est un peu comme si tu venais activer maintenant ton étoile. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à... Si vous regardez ma page, je ne sais pas depuis combien de temps vous me suivez. Quand j'ai commencé à utiliser le kit célébrité, maman, comment mes vidéos ont commencé à devenir virales? Ah, j'ai voulu te chasser. Sûr que tu es venu, tu as un peu voulu faire tes trucs là. Parce que j'ai des clients qui viennent, comme ils payent l'argent là, que j'étais payé 50 euros. Il dit, j'ai des clients qui me payent 1500 euros, ils ne me parlent pas comme tu me parles là. Il dit, pardon, rembourser son achat pas. Rembourser son achat pas. Il me donne un numéro de tête ici là. On ne souffre pas pour avoir l'argent, mais on n'est pas censé souffrir. Attendez, je vais chercher mon chargeur là-bas. Donc, je reviens à mon histoire de la Pologne. Donc, avec mon ex, en tous ces pays-là, partout où on passait, surtout ce jour, je suis allé à Istanbul. C'est comme si mon aura, je ne sais pas si c'est chaud ou répété. C'est le jour-là, c'est la première fois où j'ai su que je serais star. Je ne sais pas pourquoi, mais comme si l'esprit me disait que tu vois, c'est moi qui fais, ce n'est pas toi qui vas faire. Oui. Et il fallait voir comment les enfants qui se filmaient avec moi étaient contents. Tu vois un petit garçon, il vient comme ça, il sourit. Il faudrait que je parte encore à Istanbul juste pour visiter. Ok. Donne-moi tout est disponible. Pour le déblocage et le travail, je suis intéressé. Jamie Jordan. Les numéros sont en haut là-bas. Donc, peu importe votre ville, vous prenez le numéro de la représentante et vous commandez chez eux. Et les lavages, on va faire les lavages aujourd'hui. Et les lavages à distance. Oui, concernant les gens qui ont les rêves, ils sont comme les prêtres exorcistes là. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous rêvez, vous devez prendre la vue d'ensemble. Vous devez prendre le message global. Donc, quand tu rêves ou tu es en train de chasser les démons sur les gens, ça veut dire que dans ton appel de vie, il y a des choses que tu vas faire et ça va chasser les démons des consciences des gens. Donc, ces rêves-là, je les faisais beaucoup entre 2013 et 2016. Parfois, je rentre, quelqu'un tombe du quatrième étage, quelque part, il meurt, je viens, je mets ma main sur lui, guéri. C'est maintenant, c'est 5 ans plus tard que je comprends. Il faut commencer par le kit fondation. Certaines personnes commencent par le kit. De toutes les façons, vous devez faire tous mes kits. Et il faut que vous fassiez vite parce que je vais encore créer d'autres kits. Vous devez faire tous mes kits. Il y a des gens qui achètent même 3 kits. Le kit fondation, vous devez le faire donc, chaque mois pendant au moins 3 à 6 mois en fonction de la profondeur de tes blocages. Tu dois faire le kit fondation, tu jeûnes 7 jours, tu fais le kit, tu fais le lavage, tu fais la prière, tu fais le mois prochain, tu fais encore 7 jours.
Après le kit fondation, tu fais 3 jours de kit de déblocage. Le kit de déblocage, si tu as un visa que tu demandes, tu as une situation particulière qui te tient depuis des années. Tu envoies pour demander le visa, ton passeport disparaît toujours. Des choses, des faux trucs comme ça. Tu es dans le pays là depuis, tu as demandé les papiers, on ne t'a pas encore donné, des trucs comme ça. Généralement, le kit fondation, comme je vous avais dit, c'est un peu comme quand tu vas teinter tes cheveux. On met d'abord le bleach. On rend ça tout blanc. Après, on met la teinte qu'on veut. Voilà. Et le kit attraction, ce n'est pas seulement pour attirer les hommes. Parce que les gens qui sont mariés vont se dire, ah, moi, je n'ai plus besoin d'attirer. Non. Le kit attraction te rend attirant. Tu as besoin d'attirer tes clients. Tu as besoin de la faveur de ton mari. Tu as besoin, parce qu'il y en a parmi vous, et donc c'est comme s'il y a un voile de blocage sur votre visage. Tu ne sais pas pourquoi. Effet noir, le don à l'orphelinat et la dîme, ce n'est jamais la même chose. Tu as compris. La preuve, quand tu es malade, ou bien si tu as besoin d'enseignement ou de direction divine, pourquoi tu ne peux pas chercher les orphelins pour dire, ok, voilà, les directs que je fais, c'est pourquoi tu ne peux pas chercher un orphelin pour qu'il t'enseigne. La dîme, c'est pour retourner à la maison, là où tu es nourri spirituellement, là où tu obtiens ta direction. Là où tu tires ta force spirituelle, tu retournes ça là-bas pour honorer l'enseignement que tu reçois. Maintenant, le don à l'orphelinat, il y a les aumônes, il y a la dîme, il y a les offrandes. Et plus tu as d'argent, plus tu peux donner tous ces trucs-là. Vous avez dit votre problème, c'est qu'il faut seulement obtenir plus d'argent, c'est tout. Et okay, recevez, même pas que chercher, recevez seulement plus d'argent. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous, vous m'écoutez, mais vous n'avez jamais fait un don dans ce ministère, parce que c'est un ministère. Quand vous parlez, il y a une dame, elle a commencé à me suivre en septembre. À ce moment-là, elle partait dans une église où on lui faisait du chantage. Tu vois, j'ai l'église où tu pars, quand tu manques un dimanche, le pasteur va t'appeler. Oh, le Seigneur m'a dit que si tu ne viens pas à l'église. Aïe. Ah, donc, elle m'écoute pendant 3 semaines. Après, elle me dit que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction de l'esprit de ne plus partir à l'église. Là. Je lui dis, tu sais, toute décision spirituelle que tu prends doit venir de l'intérieur de toi parce que tu as écouté l'esprit. Pas parce que moi, il t'a dit, oh, ne pas appeler à l'église. Ça doit être une décision personnelle. Parce que vous devez arriver à un point de maturité spirituelle. Où on n'a pas besoin de te forcer. Oh, paye ta dîme. Tu attends qu'on mette la chanson de l'offrande. Oh Seigneur, je te donne tout mon cœur, tout mon argent. Oh, 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 oh. C'est là que tu sors même 500, tu donnes. Garde, tu sais quoi, garde ton argent. Keep your money. Depuis le jour où j'ai compris que Dieu n'a pas besoin de mon argent, que c'est moi qui ai besoin que Dieu accepte mon argent, c'était bon. Je n'avais plus besoin d'être forcé. Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous vivez par les principes que j'enseigne. Et vous voyez comment votre vie est en train de changer. Comment fait-on pour obtenir le kit fondation? Le kit fondation, tu peux avoir chez un des représentants. On a quelqu'un à Yaoundé. Donc, même à Yaoundé, vous pouvez, si vous appelez aujourd'hui, vous pouvez venir chercher. Douala, vous pouvez venir chercher. Abidjan aussi, c'est disponible. Et l'utilisation du kit fondation est sur YouTube. Écoutez beaucoup de mes vidéos, hein. Ne soyez pas paresseux. Je sais qu'il y en a parmi vous. Dès que vous recevez le kit, oh, viens me montrer. Je suis a very busy person. Very busy person.
Donc ne m'écrivez pas pour me dire que vous voulez que je vous explique comment le kit fonctionne. Le kit Moulema, le kit brise tout. Tu dois prendre le kit déblocage plus plus. Ça va t'aider. Prends le kit qu'on appelle déblocage, déblocage plus plus. C'est 55 000, je pense. Oui, à Douala, on peut livrer. Ou bien tu peux venir chercher. On a à Makepe. Makepe. Derrière Paja Center. Nous déclarons la restauration sur ton frère. La guérison sur ton frère. Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous comprenez que dans le spirituel, il suffit que j'écoute ce que l'esprit me dit de faire. Et je fais ce que l'esprit me dit de faire. Par la foi, j'obtiens ce que je demande. On m'a contacté l'autre jour pour un jeune homme qui est, on peut dire, sur son lit de mort. Pendant que je suis en train de laver le jeune homme à distance, la personne qui me donne son contact, c'est ça. Une de ses amies de dehors. L'amie de l'école, je ne sais pas trop comme ça. Là. Le jeune homme a peut-être 30 ans et 32 ans. Et dans la pièce, il n'y a que les membres de sa famille. Le degré d'incrédulité de sa famille m'a beaucoup choqué en fait. Ce jeune homme, tu pouvais sentir qu'il n'a que besoin de foi. Il a besoin que quelqu'un vienne lui dire que tu vas t'en sortir. Mais ils étaient avec les chansons de, tu vois les chansons de deuil là. Tu sens qu'ils étaient déjà en train de, ils étaient déjà en train de, oh, oh, on te bénit comme tu parles, que le Seigneur t'accueille dans son royaume. Il dit, ouais, croyez même que l'enfant s'y va vivre, non? Bonjour la reine Magne depuis Paris. Si tu commandes le kit Kafoui, on peut envoyer ça par DHL demain. Et tu peux recevoir ça mardi au plus. Votre foi, vous devez avoir la foi que vous allez vous en sortir. Donc, le message principal que j'avais, vous devez utiliser le talent que vous avez là. La saison est là. C'est maintenant. Et votre acte de foi que les ancêtres attendent, c'est le fait que tu partes en studio, tu commences à enregistrer. Et croyez, hein, croyez que vous pouvez devenir aussi célèbre. Vous êtes venu pour regarder les Alicia Keys à la télé. Vous êtes venu pour que d'autres personnes montent, vous ne montez pas aussi. Vous avez déjà souffert beaucoup de souffrance dans votre vie. Vous avez souffert au moins pour 3 vies. Donc les mois qui arrivent sont des mois de paix. Vous n'allez pas tomber. Le kit célébrité, c'est 50 000, ma chérie. Et les frais d'achat seront sûrement 25 000. Parce que je pense que c'est 25 000, je pense. Donc vous devez... croire. Parce que si vous ne croyez pas, bon, vous la reine Baga depuis l'Allemagne. Si tu ne crois pas, qui va croire pour toi? Si tu ne crois pas, qui va croire pour toi? Tu vois, c'est moi qui vais croire que tu seras star. Gars, tu dois être convaincu toi-même jusqu'à tu restes comme ça. Tu es dans ton monde, tu chantes tes choses, on dit, ah, et quoi que... non, je vais devenir. Attendez, poste ma musique, non, laissez, non, ok. Enregistre, tu lances, tu vas voir. Tu vas commencer à aller en Europe faire les concerts, alors que tu as demandé le visa 50 fois, on t'a refusé. Et tant que tu parles là-bas en tant qu'artiste. Oui.
Je vais danser, Richie. Ok. Je suis contente. Il y a les matins où tu peux sentir l'argent venir. Tu fais. I can smell the money. L'argent vient toujours avec la joie. Tu te lèves, tu es consolant. Sache que le jour là, tu vas pour avoir même 10 000 euros là, tu vas faire comme ça là, tu vas y aller encore. Parce que ton esprit n'est pas réceptif. Tu as aujourd'hui dit que tu voulais être. Tu vas être. C'est quoi cette façon? Je voulais être. Quand tu joues, c'est parce que tu veux être parmi les gens qui vont gagner. Donc, le roi Akono. Ce qui m'énerve sur Bétois, c'est qu'il n'y a pas l'aéroport à Bétois. Bétois est loin. Moi, je pense pas qu'il peut faire 6 heures de route. Après, il fait encore 6 heures de route. Gars. Mais on poste les choses à Bétois tout le temps. On vous envoie les choses là-bas. C'est juste que je privilégie beaucoup mon temps. Je ne peux pas, pour l'instant en tout cas. Si je me lève un matin, l'esprit ne me dit pas à Bétois. Je vais seulement vous écrire que je suis en train d'arriver à Bétois. C'est tout. Maman, elle dit que Balbine Nathalie, tu dis que 2 mois. Il y a quelqu'un qui m'a contacté l'autre jour depuis le 21 décembre qu'elle a payé son kit. Bonjour la reine Flora. Donc moi, mon teint les jours, c'est mon esprit qui fait que mon corps brille comme ça. Il y a les gens que j'ai posté vos choses même 2 fois. Ça arrive, ça disparaît. En route, on vole. Ça. Et tu prends un mois avant de me recontacter encore. Donc, il y a une, elle a le record depuis décembre. On est en avril. Quand c'est comme ça, là, si elle laisse la personne, c'est là. C'est que Dieu me dit que si tu la laisses, elle va faire comment? Parce que la qualité de blocage qu'il y a sur elle, là. Il y a même certaines que ça arrive, leur mari, tu comprends ça, ils jettent de tout. Parce que les mauvais esprits là vont utiliser n'importe quoi pour te faire ne pas faire ton travail spirituel. Il y a une, elle m'a contacté l'autre jour, elle voulait la consultation. Maman, elle a essayé de faire PayPal même 3 fois. Ça a dit que c'est parti de son compte, mais ça ne valide pas. La mère a dit que ils ne m'arrêteront pas. Ils ne m'arrêteront pas. Le kit de déblocage normal, c'est 25 000. Le kit de déblocage plus. Parce que j'ai mis des poudres de désenvoûtement dedans, les trucs que tu bois pour te désenvoûter. L'autre là, c'est 55 000. Apparemment, il y en a parmi vous. Il y a les poudres qu'on boit dans les trucs là, que ça, c'est vraiment, ça vous secoue beaucoup. Quand vous buvez, si ça vous secoue beaucoup, arrêtez un peu. Alors, certains d'entre vous là, vos démons sont trop beaucoup. Comme on dit pas trop beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. C'est plenty. Donc, quand tu prends ça, si tu ne fais pas attention, prenez le week-end, c'est mieux. Parce que tu de partir au boulot tellement tu te sens mal. Moi je suis toujours jolie, même dans mon sommeil, même dans mon rêve je suis jolie. Quand il me voit dans mon rêve je suis jolie.
Bon, quoi que je peux dormir encore. Me suis réveillé avec un sens de paix, un bonheur là dans mes os. C'était. Tu vois, quand ta vie te plaît, tu n'as plus de peur, tu n'as plus de barrière. Tout s'ouvre pour toi. Bonjour, Karl depuis Bepanda. La reine Elise, tu veux la consultation à distance? Ceux qui paient la consultation express qui est 100 euros. Donc, j'ai maintenant divisé les services. Il y en a qui veulent connaître leur mission, lecture d'énergie. Il y en a qui veulent parler aux ancêtres. Ou bien, si ton enfant est mort, tu veux parler à ton enfant, ton mari est mort. Donc, pour parler avec les gens qui sont morts, ça, il faut que la personne veuille te parler. Donc, si je me connecte et la personne ne veut pas parler, ben, je te rembourse ton argent. Ok? Je te rembourse ton argent. Donc, quand vous payez la consultation, on doit se parler dans les 48 heures. C'est pour ça que vous devez avoir un moyen de paiement qui est rapide. Si vous avez PayPal, si vous avez. Dès que vous payez, on se parle. Si il fait 48 heures, ça ne se passe pas. Je vous rembourse votre argent. Comme ça, tout le monde est quitte. Ce n'est pas toutes les énergies qui sont pour moi. Il y a une maman aux États-Unis, par exemple. Elle m'a contacté, elle a payé. Je ne sais pas faire. Après, je lui ai dit que bon, soit je prends un kit, soit on te rembourse. Parce que, non. Après, elle me dit que oh, tu me scams. Je lui ai dit que je ne peux pas te scammer pour 100 dollars, mamie. I cannot scam you for 110 dollars. Même ma nuit, c'est même pas mon argent d'une heure là-bas. Quand je bosse pour une heure, je fais pas même 100 dollars, c'est petit. Non, je ne peux pas scammer quelqu'un pour ça. Je peux pas. De l'heure, je ne touche pas 100 dollars. De l'heure. Donc. Les bracelets, œil de tigre. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ici. Oui, même si la personne est décédée depuis longtemps. Le monde de l'esprit n'est pas comme pour vous là. Hein. Il y a les bracelets ici. Ça, c'est plus pour les choisis vraiment, les gens qui ont les dons spirituels. Donc, très peu de personnes, je donne ceci. C'est que quand l'esprit me montre que la personne, c'est là. Donc, pour laver tes enfants à distance, tu envoies leurs photos. Les bracelets, c'est que vous prenez pour vos enfants, vous devez. Vous allez voir quelqu'un qui fait les bracelets là, il réduit. Parce que quand vous voyez, si je mets ça sur ma main. Vous voyez que je suis adulte. Ça me suffit net. Maintenant, il y a ce qui est élastique. Si tu mets ça sur la main d'un enfant, ça sent bon. J'ai mis le parfum dessus hier. Donc, si tu mets ça sur la main d'un enfant. Tu avais deux stars, Gloria et la femme de Samuel et tout. En plus, elle m'a donné l'argent qui était pas du camé. Oh yo! Et vous et moi dit que vos étoiles sont en train de s'ouvrir. Donc, il y a les bracelets ici. Il y a aussi les colliers de pierre. Les colliers avec les cristaux. Le collier, en fait, ça tombe sur ton chakra du cœur. Donc, ça fait une protection. Parce que dans la journée, vous entrez parfois dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Une fois en 2013, j'avais fait ce rêve où le Seigneur me montrait, il y a des grandes surfaces où on a mis des capteurs d'énergie. Genre, quand tu entres là-bas, ça prend ton, on prend ton énergie. Effet noir, je vais te bloquer un jour. Tu as 25% sorti de ma page. Dans le deuxième avertissement, au troisième, je te bloque. Parce que toi, tu as toutes les questions que je ne comprends pas. C'est comme si après c'est comme si tu restes, après souvent tu parles avec quelqu'un qui comprend, après tu parles avec quelqu'un qui vient d'apparaître sur la page ici. J'ai au moins 400 vidéos sur Facebook.
Va dans les vidéos d'avant, tu regardes tous ces sujets-là. Je les aborde. Donc, il y a des endroits où vous arrivez, il y a même des entreprises où vous travaillez. Les grandes multinationales, là, très très grandes. Et c'est comme si on prend l'énergie des employés. Moi, c'est ce que j'ai montré. Genre, juste parce que tu es dans cette surface-là. Tu vois, comme je viens de mettre comme ça, là, je sens comment. C'est des cristaux, c'est des pierres, en fait, avec de l'énergie dessus. Ok, Balbine, il faut les laver. Balbine, toi, tu es dans quel pays? Parce que le lavage, c'est 50 euros par personne. Il y a le lavage de fondation pour couper les fondations négatives de tes enfants avec toi. Il y a le lavage de déblocage. Tu as une situation précise que tu peux débloquer. Et il y a le lavage du début du mois. Donc, le lavage du début du mois, c'est le premier. Donc, les gens ont commencé à prendre les trucs. Quand vous envoyez votre photo avec votre nom, précisez que c'est pour le lavage du début du mois. Voilà. Il y a une dame d'Allemagne qui a écrit l'autre jour. Elle fait le voice. Elle dit qu'elle a obtenu tout ce qu'elle avait demandé. Que le 1er mars, elle voulait la voiture. Elle avait, c'est la dame qui avait eu son passeport. Je vous ai dit que j'avais lavé quelqu'un. 10 minutes plus tard, elle a appelé pour dire qu'elle vient d'avoir sa nationalité. Qu'elle attendait depuis. Donc, elle avait commencé à utiliser mes produits depuis décembre. Février, elle a eu sa nationalité. Mars, elle a acheté sa voiture. Elle essaie de faire le visa, le recoupement familial de son fils depuis pour qu'il monte en Allemagne avec elle. Mars, elle a eu le visa de son fils. Là, elle se préparait pour venir chercher son fils et repartir avec lui en Allemagne. Adèle Sylvie, si tu as vu ton grand-père en truc, ça veut dire qu'il te montre que ce que le business que tu veux faire va marcher et qu'ils sont avec vous. Bon, Balbine, si tu es à Dubaï, il n'y a pas de souci. Envoie les photos des enfants avec leur nom. Si votre enfant, c'est le genre qui est trop distrait, qui ne va pas. Il y a les gens au pays qui font les bracelets avec le genre qu'on ferme comme ça, là, tu fermes, tu visses avec le truc. Donc, ils peuvent aussi vous faire ça. Parce que le jacon, si parfois l'enfant peut retirer. Donc, tu prends les perles, si tu pars, tu donnes à la personne qui fait le jacon sel. Et si l'enfant est trop turbulent, tu mets dans son sac de classe. Tu ne lui montres pas là où tu as mis. Donc, si tu as un enfant qui est James Bond et qui va découvrir, tu parles avec l'enfant, tu dis que ne touche pas le bracelet ici. C'est ça que vous avez souvent les James Bond. Beaucoup d'entre vos enfants, ils sont bloqués au pays. Vous êtes en Europe. Vous n'arrivez pas à les prendre. Vous avez à tout fait. Leur étoile est bloquée. Vous devez travailler, faites les lavages de vos enfants. Parfois, même les personnes qui s'en occupent ici vous font un peu le chantage. C'est pas très gai, en fait. Ça te fait mal. Et tu n'as pas le choix, tu allais les laisser à qui? Priez beaucoup pour ces enfants-là. Bon, on a terminé. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui a écouté. Donc ça, c'est disponible. Et puis, il y a les colliers aussi, il y a les pendentifs. Donc, passez une très, très belle journée. Allez lancer votre talent. Utilisez votre talent. Prenez des cours de dessin. Prenez des cours de peinture. Prenez des cours de coaching même. Il y en a, vous savez que vous êtes coach. J'ai lancé la formation de coach. On va commencer début du mois de mai. Donc, dans à peu près 10 jours. Et vous êtes toujours en train de tourner autour du pot. Tant que tu n'es pas dans ta mission, tu vas toujours tourner en rond. Non, les représentants n'ont pas encore les bracelets.
Si vous commandez avec une représentante, parce que je leur envoie les choses tous les 3 semaines. Donc, on peut leur envoyer ça. Le roi Idriss, comment tu vas? Ça fait longtemps. Estelle Luce, comment va ta petite fille? La reine là. Parfois, pour vos enfants qui ne parlent pas, on les a juste bloqués. Faire des lavages à l'enfant. Il y a des enfants. Il y a une dame au Canada. Elle a 6 enfants. Elle m'a contacté. Elle me disait que le premier, il était comme un légume. Il était devenu comme un légume. Il ne bougeait pas. Et quand il bougeait, il y avait tellement de douleur. Je sentais la douleur dans lui. Tellement. J'ai donc lavé l'enfant à distance. Toute la famille. 6 enfants et puis papa, maman, ça faisait 8 personnes. J'ai aussi envoyé les produits. Elle m'a dit que 2 ou 3 jours après que j'ai fait le lavage, elle s'est levée comme ça dans la nuit, hein, au hasard. Elle est allée en ligne, elle a trouvé un exorciste au Canada. Il a travaillé sur l'enfant peut-être pendant 3 semaines. Hein. Et l'enfant avait déjà fait 2 mois à la maison. Il était invalide. Et là, il est parti. Il a recommencé à partir à l'école. Donc parfois mon lavage ouvre la voie. Parfois mon lavage donne la direction. Parfois ça guérit. Ça donne l'argent. Ça enlève les serpents. Vous vous rappelez la dame la semaine je suis passée là. On faisait le lavage du premier. La dame que j'ai fait le lavage et puis le démon là, son démon dans son ventre là a parlé. Que pourquoi est-ce que je veux le tuer, qu'il ne faut pas que je le tue. Il faut pas que je. Que pourquoi est-ce que je veux que la femme devienne riche? Ça, c'est un démon. Je crois que je vous avais fait écouter ça. J'avais fait l'audio ici là. J'avais fait jouer. Je pense en anglais, en français. J'avais fait jouer l'audio ici. Et vous pouvez entendre, même la voix du démon était différente. Il disait que ouais, je suis le serpent qui est dans son ventre, c'est moi qui l'empêche d'être riche. Ça, c'est pas moi qui fabrique des trucs. J'avais fait jouer le message ici devant vous. Moi qui l'empêche d'être riche, je suis dans son ventre depuis des années. Pourquoi tu pries pour elle? Pourquoi tu veux qu'elle devienne riche? Autant de situations. You do not lie, you do not fail. Vous pouvez me rencontrer Yaoundé, vous pouvez me rencontrer Douala, vous pouvez acheter les produits, donc faites vos lavages, toutes ces choses-là. Et même si c'est 5 000 que vous avez commencé par quelque chose, ne dites pas, oh, je n'ai pas 50 000. Il y a des gens qui achètent le sel de 1 000 francs, ils commencent à se laver avec. 2 mois plus tard, la personne vient, oh, on m'a donné, j'ai reçu 50 000, j'ai reçu 100 000. Je vais acheter maintenant les autres produits. Donc, bonne journée à vous. Hein. Marie leur dit que le lavage est très efficace. Je sais que vous n'aimez pas venir témoigner ici. C'est ce qui me wanda en fait. Parce qu'il y a des gens qui tombent sur ma page et ils se disent le lavage, c'est même quoi? Et ça marche. C'est le kit qu'elle dit tous les jours là. Tu as utilisé le kit. Tu es tombé enceinte. Tu as utilisé le kit. Tu as reçu tes papiers. Viens ici, tu commentes, quelqu'un va voir, ça va lui donner le courage. Il y a même des gens qui achètent les kits, ils déposent à la maison, c'est dans ta. C'est dans pour utiliser. Parce que les esprits là te bloquent. C'est pour ça que quand quelqu'un me contacte, je te comprends là où tu es là, je te comprends là où tu es. Tu vois, quelqu'un me contacte, il paye la consultation. 2 semaines, je ne le consulte pas. Maman, il envoie le message. Oh, tu es escroc, tu es ceci. Il dit, tu te laves avec le sel. Non, je fais de temps en temps. Il dit, qu'est-ce que tu veux? On vous donne les choses à faire, vous ne faites pas. Et comme il te rembourse comme ça, tu vas encore aller tourner. Tu vas encore aller tourner au moins, je ne sais pas combien d'années.
Peut-être c'est la seule opportunité que les ancêtres ont vue pour que tu puisses sortir du trou où tu te trouves. Mais tu viens peut-être avec l'orgueil, avec l'impatience. Voilà. Donc, passez une belle journée.